C'est pas ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Mock. Aujourd'hui, Mock Ninjago Dragon Rising, de ma seconde version du Mock, du coup, du Fautaque slash chien d'attaque d'Imperium. Aujourd'hui, c'est une nouvelle version. Pourquoi? Parce que la dernière n'était pas du tout accurate avec ce qu'on voit dans la série. Déjà, cette version-là, elle l'est un peu plus. Pourquoi est-ce que je refais une vidéo? Parce qu'en fait, la première, je l'avais fait sans revoir les images, je l'avais fait de tête. J'avais oublié qu'il y avait les pistolets, les deux fagnons et tout ça. Donc ça, c'était un peu dommage. Donc, du coup, j'ai tout agrémenté, j'ai quasiment refait toute la déco qu'il y avait dessus. Du coup, vous allez voir quelques similitudes, bien évidemment. Mais j'ai amélioré pas mal de trucs. Donc, on va en faire le tour de suite. Juste virer la figue. Voilà, c'était juste pour faire une échelle. Donc, du coup, ici, vous voyez qu'il y a plus, beaucoup plus de pièces transparente de tous les côtés. C'est simplement pour accentuer le côté lumière du photac, parce qu'à la base ce n'est pas un être vivant, c'est de la lumière qui se transforme en être vivant. Voilà, là on a les deux fanions, voilà, parce que j'ai démonté les deux photacs pour en faire un énorme. Là on a les deux pistolets qui sont nouveaux avec la grande barre qui les tient justement. Le siège, on peut mettre une sur là-dessus. Je vais reprendre l'exemple de la mienne. Voilà. Voilà. Tac, juste ici. Voilà. Quoi de plus à dire? Il y a beaucoup de dorures pour le coup à l'avant, moins à l'arrière. La pièce de sticker est toujours là. La queue est beaucoup plus transparente que ce qu'on peut retrouver dans le set. Voilà, la bouche aussi, j'ai décidé de l'améliorer. Je l'ai rendu plus grand pour que ce soit au même niveau, mais j'ai quand même laissé un trou pour la bouche, pour qu'il y ait un minimum de trous. Et je trouve que comme ça rend mieux, on voit pas trop l'écart. Alors que comme ça fait vraiment pas ouf. Là, je trouve c'est beaucoup mieux. On a beaucoup plus l'écart. Je trouve, voilà, ça rend plus menaçant aussi. On va pas se mentir. Et non, franchement, je suis assez content de ce Fautaque. J'aime beaucoup mon mock. Dites-moi si ça vous plaît. J'en ferai peut-être d'autres des mocks Dragon Rising. Je réfléchis à pourquoi pas faire une plaque, en fait, Imperium. Et carrément, pourquoi pas faire un bout du Palais Royal. Avec tous les véhicules devant, les soldats et tout, ça peut être très sympa. Refaire pourquoi pas carrément la bataille finale de l'épisode 20. Ou alors surtout le mock qui m'intéresse le plus à faire, ce serait moquer le temple. Parce que le temple a l'air d'être très sympa à moquer. Et surtout, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous dis pas plus parce que bon là c'est une vidéo mock, donc je peux vous en parler plus. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait aussi un bout. Une aparté comme ça dans la review du set du temple. Mais voilà. Ouais, donc c'est à peu près tout hein, pour cette petite vidéo Lego Mock. C'était juste pour vous faire une mise à jour de ce mock-là. Parce que ça fait très longtemps que j'avais fait. Mais j'ai pas eu envie pour le coup de faire cette vidéo d'amélioration en fait du mock. Là, je la fais parce que on est juste après la fin de diffusion de la saison 1. Je suis un peu un membre de Ninjago d'ailleurs. Et donc du coup j'ai un peu besoin de parler de ça. Voilà un petit peu donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à venir sur les pensées des chauffeurs parce que le terre. Et voilà, bah du coup c'était déjà plus qui vous dit bye bye.